Et salut à tous, bienvenue dans Super Toxcart avec Sam. Eh bien, c'est moi, donc un des créateurs du jeu. Donc, je suis l'artiste principal du projet. Yeah. Et comme je vis en Suisse, en fait, proche de chez Cyberpagola, on a décidé de faire cette petite vidéo ensemble. Yeah. Ça, c'est la classe. Alors, t'auras le défi en fait de d'essayer de battre un créateur à son propre jeu. Trop facile. On verra, on verra. Alors, allez, un échauffement en mode expert peut-être. Vas-y. Alors du coup, je suis Suzanne, hein, si jamais. Ok. Et bah moi c'est Tux, puisque bon bah là le perso principal de notre jeu est Tux. Alors, je pense qu'on va essayer une des maps, en fait, nouvelle génération. Y'a une préférence pour une? Écoute, est-ce qu'on ose se lancer sur Cordella City? Ok. Cordella City, c'est une carte un peu spéciale, puisque vous ne l'avez pas dans le jeu de base. Pourquoi? En fait, vous pouvez l'obtenir en faisant une petite donation au projet. Yeah. Et vous pouvez l'obtenir de cette manière. Vous avez le droit de faire une grosse donation aussi, si vous voilà. Voulez. Mais sinon, tant pis pour vous. Alors, là, je vais... Léger. Il semble qu'il y a un léger lag, non? Léger, léger. Ah! Punaise, je fais n'importe quoi. C'est une magnifique map. Est-ce que je considère que c'est jouable ou. Ouais. Ouais, ça reste jouable, c'est un peu limite. Mais... Ouais, ouais. Parce que. Alors, c'est une magnifique map. Donc, ouais, donc cette map, elle a été créée justement pour les gens qui nous supportent, qui nous font des donations. Et donc vous pouvez l'obtenir de cette manière. Voilà, donnez les sous. Cool. Et n'oubliez pas que tout le reste du jeu donc est gratuit et open source. Et ça nous permet de continuer de travailler sur ce jeu qui est formidable. Yeah. Alors voilà. Donc là on voit tout de suite que le créateur domine la création. Non. La créature, oui, c'est ça, bien sûr. Donc, lapsus révélateur, mon cher. Donc voilà, on voit tout de suite que. Comme on a dit, c'est un échauffement. Attends de voir au Grand Prix. Ok. Hein, là, je découvre, j'ai fait deux fois la course, quelque chose comme ça, depuis que j'ai commencé. Ah, oui, aujourd'hui, c'est que. Je ne suis tu pas. Tu n'as pas l'habitude de. Absolument pas. Comme ça. Voilà. Ouais, c'est cool, ça nous fait. On visite à peu près 4 capitales européennes différentes en 150 mètres. Non, j'exagère ouais, un peu, c'est, mais... c'est un petit peu ça en fait. Dans cette version, on a décidé de s'inspirer de Paris, Rome, l'exposition universelle qui avait été faite pour la construction de la Tour Eiffel. Et on s'est inspiré, donc voilà, vous pouvez découvrir par vous-même la map. Mais pour ça, faut donner des sous. Ou... Moi je le répéterai pas trop souvent sinon c'est agressif. Non mais. C'est non pas mais grave. Oui effectivement. Soyons agressifs. Donnez argent. Évidemment c'est du troll. Ça te fait quoi de jouer contre l'un des développeurs du jeu? Alors actuellement ça fait que je me fais péter la gueule puisque je n'ai pas créé la map, mais sinon c'est cool. Je sais pas si ça devait me faire quelque chose, je sais pas, ça devait me faire des petits frissons dans le ventre. Ouais, un peu. Un peu de peur comme ça face à un prédateur. Non. Ou alors là, si vous le verriez, ce grand dadé à côté de moi, prédateur. Ouais, avec un fusil. T'as jamais fait de la chasse? Non. Non, j'ai jamais fait de chasse. Est-ce que tu vois la référence à Big Bang Theory? Non. Malheureusement. Non. En fait, Big Bang Theory, j'ai regardé 2 épisodes, tu veux tout savoir, et. J'ai adoré le concept et j'ai détesté le concept. J'ai adoré le concept de. En théorie, je trouve ça génial, les personnages. Et il y a un truc que je ne supporte pas, c'est les rires préenregistrés. Si vous me trouvez Big Bang Theory. Ah sans... Désolé. Tu vois, c'est des rires comme ça. Exactement. Bon. Si vous trouvez Big Bang Theory alors, sans fait, les rires préenregistrés. On fait donc quoi, le Grand Prix jusqu'à la Lune? Même pas peur. Ok. Allez, combien d'IA? 4? Ouais. Mon dieu, c'est toutes les pires. Ok, à part les grands paralysis, donc ça va. Bon. Je connais un à qui je vais péter la tronche. Ça va être magique. Oh, l'IA ? Non, je connais un. Waouh. Ah non, ça. C'est toujours comme ça chez moi, les chargements. Ok. Il y a toujours ce petit temps avec du blanc. Alors, voilà, donc.
l'île de Gran Paradiso. Avec les petits avions qui volent très loin dans le ciel. Oui, j'ai passé. Sale bête! Brûlez-les tous! Ah, je vais envoyer une escadron pour te tuer. Ouais, ça c'est clair, hein, vous savez. Ouais, je vais parler comme ça, hein. Et on peut faire les Suisses allemands qui vont venir pour tous les tuer. On fait du racing. Du racing. Du racing with the team. Du hein, course ça, de racing. Tout à fait clair. Moi, je dis que je pense que le course de karting, ça ressemble au Formula One, mais en plus petit, hein, ça c'est clair. Et ici, on est dans cette magnifique island avec le paradis, et ça c'est cool, hein. Oui, c'est super formidable. À part ça, tu parles suisse allemand. Nee. Ganz Swiss Deutsch. Ganz. Ok, non, parce qu'il y a le suisse allemand en Suisse, vous savez, pour les gens qui ont une grosse langue. Et en fait, ils sont majoritaires en plus, de bande. Ouais. Ouais, ça c'est tout à fait plus juste. C'est sympa, il y a une bonne entente, je dirais. Ouais, on aime bien se foutre de leur gueule et apparemment réciproquement, donc tu vois bien. Ouais, mais nous on tient l'économie, hein, ça c'est tout à fait sûr. Hein, ouais. Puis c'est nous on accueille tous les racailles de les étrangers, hein. Attention, compte tenu des événements récents, je tiens à vous préciser que cette phrase est à prendre au troisième degré. Par cette imitation, je ne fais ni l'apologie du racisme, ni de la stigmatisation. Je rigole juste un peu sur les Suisses allemands réputés peu ouverts sur le monde. Ah bon? Oui, dans le canton de Vaud, il y a beaucoup plus d'étrangers que si tu vas à Zurich, par exemple. Ah ben ça... Et c'est pas un problème. On a le Platz. Ah... Je vais pas dire que je suis premier, mais je suis premier. Ouais, ça j'ai remarqué. Hein. Oui, je pense. Ça c'est tout à fait sûr que... Ah ouais, et ça pourrait bientôt diminuer, hein. Ouais. Mais... Une fois d'ailleurs, j'ai engueulé un youtubeur, enfin gentiment, Superflame, c'est un imitateur qui est d'ailleurs excellent, si jamais tu connais pas, vous connaissez pas, allez le voir. Je le connais pas. Le mec, il nous a sorti pour une imitation d'un mec, il fallait lui donner un accent suisse. Et il s'est loupé. Non, c'est pas ça, c'est que l'accent suisse... Il y en a plusieurs. Oui, clairement, quand même. Ouh, qui c'est le premier? Qui c'est le premier? Hein? Ah, hein? C'est Suzanne! Qui c'est le plus grand? Hein? Qui c'est le plus beau, le plus fort? Hein? Qui c'est qui a gagné? Hein? 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 Et pour l'instant, mon défi, ça marche, hein? Pour l'instant, effectivement. Ah, tu c'est triste. Il a bien raison. Ah oui, j'ai pas le droit. Okay. J'ai tellement pas l'habitude de pas être maître du jeu. Là, j'ai laissé le créateur devenir maître du jeu. Logique. Oula. Artung. Les couleurs sont jolies. Oui. Et mon écran est parfaitement calibré, donc... Enfin, j'ai pas fait ça à la sonde, j'ai fait ça en prenant un profil qui existait chez quelqu'un d'autre. Mais tu sais qu'il y a un truc intéressant, c'est que même si ton écran est mal calibré, tes yeux se calibrent. C'est un des problèmes, genre... C'est très difficile de vraiment bien calibrer un écran. Parce que tes yeux, en fait, vont s'habituer automatiquement à ton écran. Et donc, du coup, sans sonde, c'est pratiquement inutile d'avoir un vrai calibrage. T'auras un calibrage qui ira pour ton écran. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi mon jeu, en fait, te permet de régler le gamma avant de commencer à jouer. Ce sera peut-être pas bien réglé parfait, mais ce sera réglé pour tes yeux. Okay. Et ça c'est un truc qu'on a découvert en fait parce que une des maps que je faisais, tout le monde me disait qu'elle était trop sombre et moi je la trouvais trop claire. Et forcément ben les images Tu vois en faisant un screenshot. Pourquoi... Je peux pas me sauver. Ah attends, est-ce que c'est le bon bouton, t'es sûr? Pause. Problème ça, technique. Ça c'est de la triche ça. Alors pour sauver toi, hein. M. Ah mon dieu, je suis désolé, c'est madame qui a mis le M et pas le retour à la ligne parce que c'était trop loin pour elle.
Ouais. Je comprends alors pourquoi plusieurs fois j'ai raté. Donc c'est de la triche, donc voilà, je pensais bien qu'il y avait un trucage comme ça. Voilà, je me suis mis une petite bombe pour fêter ça. Ah ouais. Ouais. Je pense. Bah pourquoi pas, hein, ça fait joli. Alors, ça alors voilà, parce que madame se plantait souvent dans le décor, ou bien. Oui. Ah, oh, je me suis repris. C'est un art de vivre. Ah, ma foi. Ah, si j'étais. Si j'étais un méchant sexiste, je dirais ah, oh, les femmes au volant, blablabla. Mais après, je me prendrais un superbe buzz dans la tronche, donc je vais éviter. Pourquoi moi? Pourquoi c'est toujours moi qui prends les balles de basket dans la tronche? Alors, bah parce que t'es le premier en fait. Ah, Puis ah! moi je me dis que. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que je suis le premier? Ça va, tu vas t'en remettre ou... Ouais, je vais m'en remettre Ah, mais c'est cool parce que à l'échauffement j'ai cru que t'allais finir par m'avoir. Bon, on verra, le Grand Prix n'est pas fini. Tout à fait. Et la session n'est pas terminée. Tout à fait, mon cher Sam. Même si t'as tenté de ralentir les choses avec ta configuration audio bizarroïde. Oui, alors, en fait, on vient de faire à peu près quoi, 20 minutes de test et de réglage et de machin pour le son, tellement c'était horrible. Et maintenant, j'ai quelque chose à peu près qui marche. Ce qui m'intéresse par contre, ce sera de voir ce que ça donne dans l'audio de STK lui-même. Je soupçonne fortement qu'on a de nouveau le son tout triste, parce que j'ai pas réglé plus audio avant pour qu'il soit pas triste. Bah, tu refais la bande son vite fait. Non, tu peux pas, parce qu'il faut... C'est si, un... si, tu peux, ça se truc. C'est un canal Alors, pour tout. Alors, on continue hein. Tout l'enregistrement, c'est pas un... C'est pas chaque dans un c'est pas dans le fichier vidéo t'as trois canaux différents, c'est un seul canal pour tout donc Ah bon bah alors là ouais t'auras peut-être des problèmes. Mais il faut que tu t'achètes une recording card, c'est tellement plus pratique. Ouais. Parce que le nouveau trailer d'ailleurs de STK a été fait de cette manière. Mais est-ce que ça Donc un truc où t'as alors... 5 entrées et puis 3 ouais, sorties ouais. et puis une sortie pour l'ordi. Un truc du style. Bon, après voilà, moi j'ai fait un truc qui ça fonctionne sous Windows, moi j'ai pas cherché une carte j'ai pas cherché une carte qui marche sur Linux parce que je voulais surtout une bonne qualité vidéo. Donc voilà, forcément. Voilà, n'empêche pas l'autre, mais... Si tu serais surpris, les artefacts que j'ai eu dû à certains drivers open source et tout, c'était assez marrant. Ok, alors suggestion pour cette carte Non, cette carte elle sera refaite. D'ailleurs, elle est en cours d'être refaite, donc je ne prends qu'une suggestion. D'accord. Parce que pratiquement toutes les suggestions que tu suggères ont certainement été prises en compte. D'accord. J'allais dire rendre le vote de Nolok tout. Non, non, mais la nouvelle elle est différente en fait. Tiens, d'ailleurs, j'aurais presque pu te la montrer. Dingue, vous avez vu, j'ai des spoilers avant tout le monde. C'est pas vraiment un spoiler, elle est dans le SVN. D'accord, voilà. La télécharger. Ouais. Et puis donc, la 092, hein? C'est pour quand? Alors, la 091, elle est sortie il y a pas longtemps. Non, non, je sais, je fais le troll. J'aime bien. Je sais pas quand, mais bientôt. Un jour. Je l'espère en tout cas. Yes. Avec tout votre argent. Ben ouais, avec les ce que les gens Pardon. Nous supportent. Je me prends. Oups. Je me prends dans le truc, mais une force. Je me fais lapider sur cette carte. Elle est pas évidente en effet. Ouais, quatrième. You. Eh, je veux pas dire, mais hein. Effectivement. Le Grand Prix avance. Tu gagnes, ouais, je. Je constate. À part ça, un truc qui peut surprendre les gens, je ne suis pas un fan de Mario Kart, ni même un grand fan de jeux vidéo en fait. Moi j'ai beaucoup plus de plaisir à les créer que à y jouer. Et ça, c'est un truc qui surprend beaucoup les gens. C'est que, bah voilà, quand on est créateur de jeu, c'est pas forcément... Alors bien sûr, voilà, j'aime quand même jouer à Super Tux Kart. Mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir à créer des univers intéressants pour que les gens explorent et des univers qui fassent rêver les gens.
Et j'espère y arriver avec Steka. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le niveau de qualité des cartes... je vais pas envoyer des fleurs parce que t'es là, mais franchement, waouh. Tu dis ça, je suis en train de perdre, puis t'essayes de me rassurer pour que je revienne la prochaine fois. Oui aussi. Non mais... Ça, il faut pas dire aux gens, parce qu'après, ils vont croire qu'il y a du trucage derrière, puis ils vont croire qu'on a déjà écrit nos textes en avance et tout. Ah bon? Bah ouais, on sait jamais. Ah, ok. Bah, il y a certains youtubeurs qui font ça. Des fois, quand je vois certains qui surréagissent à des jeux d'horreur, je me dis, tiens, on devrait peut-être une fois enregistrer l'équipe de Steka qui réagit, je sais pas, genre Slenderman. Ça pourrait être amusant. Ouais, bah simplement déjà l'équipe de Steka qui joue à Steka. Ça, c'est un truc, ouais, qui pourrait être prévu. On a pensé faire ça avec les add-ons. Le problème, c'est que... c'était une idée sympa, mais on a plus trop de gens qui nous soumettent des add-ons. Du coup, de manière assez triste... On a plus eu vraiment de map à part celles qui ont été créées par l'équipe officielle, et c'est un peu dommage. MG, si tu nous entends puis que t'as envie de faire un peu quelque chose... Bah écoutez, ouais, si vous êtes intéressé, vous pouvez... moi je veux bien aider, mais bon, il faut que la personne elle sache déjà Blender en fait, parce que... Aïe. Il faut que la personne sache déjà Blender, parce que moi, bon, je dois avouer que j'ai pas trop envie de perdre mon temps à enseigner Blender. Effectivement. C'est pas forcément évident. Bah, je dois dire que personnellement, Blender, j'ai testé 3 ou 4 fois. Et en fait, même avec les tutoriels super intéressants, style c'est du zéro, je me suis toujours retrouvé bec dans l'eau après un petit moment que j'arrivais plus à rien, puis je pouvais les prendre. Puis aussi un truc, genre le design de map, bon, ça se voit pas. Enfin, c'est un aperçu qui est assez difficile. Bah, justement, comme tu parlais là, le manoir, c'est moi qui l'ai fait. Puis ça a été fait à une époque où en fait j'en avais un peu rien à foutre du gameplay. Et ça se sent, puisqu'elle est pas très intéressante en fait. Bah, elle est très belle, mais très difficile à jouer. Ouais, mais surtout, non, genre, il y a des difficultés qui sont sympas, tu vois. Et puis, il y a des difficultés qui sont chiantes. Par exemple, ici, une des difficultés chiantes que je pourrais avoir, c'est dès que tu te reprends un des petits rebords dans le mur, ça te tue le jeu. Un truc qui serait bien, c'est d'avoir des pushbacks. C'est par exemple, quand tu arrives proche d'un petit rebord, en fait, ça te remet dans la piste. Ouais. Et comme ça, t'as quand même du challenge, mais ça reste intéressant. Et ça, c'est un truc que j'ai appris. Et d'ailleurs, un bel exemple, c'est la piste suivante. Je crois que c'est la pire piste. C'est franchement celle que je déteste. On est deux, c'est bien. C'est une piste horrible, nous allons la faire. Pour le plaisir des yeux. Et cette piste est terrible. Je la déteste. Et d'ailleurs, toi, tu t'étais plaint comme quoi il y avait toutes ces petits murs et tout. Et ben sache que j'ai déjà en fait agrandi l'espacement des murs, parce qu'avant ils étaient sur la ligne, les deux lignes blanches qu'on voit sur le côté, et c'était juste impossible. Et si tout va bien, cette map en fait elle devra être refaite. Je sais pas encore quand, mais l'idée ce serait d'avoir une map style Singapour, donc en Asie. Ce qui serait assez cool à avoir, quoi. Ouais, à fond. Tac. Es-tu déjà allé à Singapour? Malheureusement, j'ai jamais quitté le continent européen. Okay. C'est donc une très jolie ville. J'en déduis que tu as déjà été là-bas. Effectivement. Et qu'as-tu fait à Singapour? Malheureusement, c'était juste pour un... Il y a un radar? Oui, il y a un... Ah oui, ça, c'est un nouveau truc. Donc, il y a un radar qui flash ceux qui vont très vite. C'est... Troll. Voilà, c'est une petite blague. I'm a little gay. Non, c'est une petite blague en fait. Pour tester le scripting, que maintenant on a du scripting. Merde. J'ai échappé au ballon. Pas mal. Ouais, non, mais bah, Singapour en fait c'est une jolie ville, enfin c'est une ville assez sympathique. Mais malheureusement, j'y ai pas passé beaucoup de temps vu que j'étais en escale.
Donc t'étais en bateau. Ouais, le richto. Oh, il est suisse, il a trop de sous, le mec. Non, en classe économique sur Singapore Airlines, c'est pas forcément un grand bateau de croisière de luxe. Ah, juste derrière. Ah, voilà. Okay. Ah, j'ai quand même sauvé l'honneur. Voilà, c'est ça. Un peu. Bien joué. Écoute, toi qu'est-ce même, qu'on fait j'ai. On refait un grand prix, vite fait. Mais écoute, et si on sortait sur l'autre carte spéciale donateur, que les gens puissent avoir notre aperçu. Ok, d'accord, ça joue. Alors, attends, il faut continuer. Ah ouais. Ouais, là, parce que qui c'est le winner, hein, qui ah, c'est elle, hein. Ah, au milieu de l'écran, hein, c'est qui, hein. Eh, c'est Suzanne. Ouais. Ouais, puis c'est comme ce que disait Suzanne, hein, hein. Là, j'adore ces herbes qui font la. Oh, oh, on fait la hola, ouais, de toute façon. Même sans les herbes t'acclament. Ouais. Moi, je dirais qu'il pourrait. Tu pourrais rajouter. La... Enfin, si tu. Vous pourriez rajouter l'animation. L'animation de victoire. Possiblement. Sur, ouais. Sur ce truc-là. Si tu veux faire un truc facile et vite fait. Ok, alors du coup, t'as... maintenant t'es à gauche, donc tu seras sur l'autre écran. Alors, on va tester. Pourquoi j'arrive pas? Voilà. Je crois que j'ai pris. Ok. Non, alors, Antediluvian Abyss. J'ai pris le personnage que je voulais pas. Mais ça fait rien. Alors, cliquez. Ok. Bah, j'essaye avec voilà. Sarah, c'est pas. Donc, nouvelle carte entièrement sous-marine. Oui, alors, ça, c'est l'autre map que vous pouvez obtenir avec. Donc, en donation. Ouais. Okay. Elle tient un petit peu d'une ancienne map sous la mer, la précédente, pas celle que vous avez l'habitude de voir, mais une qui était juste avant. Dans le sens où elle est entièrement sous l'eau. Ouais, oui, bon alors ça c'est pas sûr parce qu'elle est encore en cours de création, bon je veux rien promettre, mais on sait déjà qu'il y aura quelques changements parce qu'il y a des zones qui sont un petit peu ennuyeuses, enfin il y a des zones qui devront être modifiées, mais sinon... elle est inspirée un peu de plusieurs maps, mais bon, j'ai pas vraiment d'exemple comme ça. Plouf. What the hell? Je ressors du truc et boum, je me reprends un truc dans la tronche. Non. Ok, tout est. Alors voilà. When life was only underwater. Ceux qui n'ont pas réussi à lire. Ah non! Ok, ok, coucou, c'est moi. Je suis dans un bug. Ah. Bon. Ok, j'ai réussi ben, à. Le créateur de la map s'est vengé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour le créateur de la map est un nul. Il a laissé un bug sur sa map. Exactement. Ou c'est la personne qui est suffisamment stupide pour se reprendre. Ah ah. Je ne dirai rien du tout là-dessus, de toute façon, voilà quoi. Ouais. Oui, je sais, c'était la répartie, la plus répartie du monde. Bah sinon, à part ça, voilà, donc... Cette map a été inspirée par... en fait, par plusieurs maps, mais... une des choses qui pourrait probablement changer, c'est... Il y a une longue section qui est toute droite. Ouais, tout à fait. Qu'il faudrait qu'on rende un peu plus intéressante. Probablement qu'on va mettre une statue de Poséidon. Mais non, mais je ressors au même endroit. Mais genre... Ah, alors là, tu peux rien dire. Parce que tu connaissais déjà le... Tu connaissais le truc. Ouais. Et puis... Ouais. Cela dit, moi j'ai une idée pour toi. Si jamais tu nous mets une sortie d'autoroute à cet endroit-là. Qui remonte à la surface. Dans le sens où où là apparemment on n'a aucun accès avec l'extérieur. Non, mais après il y a un problème aussi que bon toi tu connais pas parce que tu fais pas des maps, mais c'est que dès que tu mets de l'extérieur, ça veut dire que tu dois créer tout un environnement en haut. Et ah non, mais j'ai pas dit qu'il fallait pouvoir sortir. J'ai dit faut donner l'impression que le puisse qu'il y a un accès extérieur. J'ai gagné à part ça. Gna gna gna. Ça compte pas. C'est la photo bug. Non, moi j'ai l'impression en fait que c'est la faute. Je pense que tu joues plus que moi au jeu en fait. Probablement. Parce que une grande partie de moi qui joue en fait c'est des tests finalement. Ouais. Et je pense que tu joues plus que moi au jeu.
Et ces deux maps, vu que ben elles sont pas dans le jeu par défaut, puis que tu viens de les découvrir, je pense que j'ai simplement plus l'habitude en fait à ça. Ouais. Ce serait marrant de voir par exemple ici quelques mois. Si t'arrives pas à me battre, ça m'étonnerait pas. Ce qui va nous obliger à recommencer. Oh, pourquoi pas? Yes. Alors on dit quoi? La suite au prochain épisode. Et ouais. Voilà. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à donner des sous à STK. Hein. C'est un jeu cool. Et puis, juste une petite chose, désolé si je t'interromps. La dernière fois, donc dans les précédentes versions, ceux qui donnaient de l'argent pouvaient avoir une map supplémentaire. Et donc, vous pouvez maintenant la télécharger dans les extensions ici, Carnaval del Cacao, que vous pouvez installer. Et puis, si on peut juste vite fait montrer comme ça à quoi ça ressemble. Donc, si on prend vite fait, voilà. Donc, c'est une version nocturne de la fameuse piste. Ah, le chargement. Oui, le chargement. Parce voilà. Que le SSD, donc c'est une piste que vous pouvez découvrir. Donc comme promis, elle était incluse dans le paquet qui était destiné aux donateurs. Et maintenant, elle a été mise dans le jeu principal. Alors voilà, je crois qu'on va arrêter là. Ouais, tout à fait. Puis on va laisser nos téléspectateurs découvrir la map. Yes. Ok, donc, encore une fois, n'hésitez pas à donner quelques petits sous-sous si vous avez envie pour STK, ça leur fera du bien. C'est toujours bon à prendre pour avoir du nouveau matériel. Et puis, bah, merci à toi pour m'avoir laissé cette opportunité de jouer. Ouais, bah merci d'être venu. Et voilà. Et puis, sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit pouce de votre couleur préférée, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Et re les amis, on est sur fond noir, je sais, c'est nul. C'est juste en fait encore pour vous dire un petit truc que je viens d'apprendre à la seconde, donc c'est pour ça que je vous le dis un peu comme ça à l'arrache. Il y aura dans pas longtemps au centre professionnel de Littoral Neuchâtelois un salon qui s'appelle le salon Ping 2015. Ok, avec qui est en fait un petit salon sur les jeux vidéo indépendants suisses. Alors, je vais vous lire la description. Salon sur le jeu vidéo indépendant suisse, avec conférences des studios et tests de jeux sur PC et iPad, avec restauration froide sur place. Il y a 5 conférences prévues et 5 studios de jeux vidéo différents. Voilà, et après, notamment, il y a Super Tuxcart qui va. Donc, il y aura évidemment Sam Uncle, puis peut-être, je sais pas s'il y aura d'autres gens... Je sais plus, enfin bref. En tout cas, moi j'y serai du coup parce que je me suis dit que j'allais faire le déplacement à Neuchâtel, ce qui sera l'occasion de faire quelque chose de super chouette. Voilà, donc si vous ne savez pas quoi faire ce week-end et que vous avez envie de venir en Suisse et que vous avez envie de venir à Neuchâtel, eh bien ça se trouve au centre professionnel du littoral neuchâtelois à Maladière 84 à Neuchâtel. Le 21 novembre de 10h à 18h, sachant que la conférence sur Super Tuxcart commence à midi. Voilà, sur ce, je vous laisse, à bientôt, ciao tout le monde.